Der Frankreich-Block ist heute im Museum für die Einwanderung in Frankreich. À côté de moi, c'est Piggy, Madame Piggy Derda. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci pour cet accueil ici dans votre musée. Merci à vous d'être venu. Vous êtes responsable pour le département de l'éducation ici. Mmh. Et vous m'avez permis de que je vous pourrais vous poser quelques questions sur votre musée. Votre musée s'appelle Musée de l'histoire de l'immigration. Alors vous parlez essentiellement de personnes étrangères qui viennent durablement s'installer en France. Oui, alors nous travaillons effectivement sur l'immigration en France depuis le 19e siècle. Donc sur 2 siècles d'histoire de l'immigration en France, c'est-à-dire à la fois sur les étrangers qui sont venus s'installer durablement et donc sur les immigrés, puisqu'il ne s'agit pas de la même chose en France. Donc les étrangers, ce sont des personnes de nationalité étrangères vivant en France. Les immigrés regroupent à la fois les étrangers et les personnes étrangères ayant acquis la nationalité française. Donc les immigrés peuvent être à la fois de nationalité française et de nationalité étrangère. Et donc nous parlons de ces 2 siècles d'immigration en France et des apports des immigrés à la société française et des générations qui les ont suivis, c'est-à-dire leurs enfants et descendants d'immigrés. Vous parlez des immigrés. Pourriez-vous encore un peu préciser leur statut ? Alors, je le disais, donc les immigrés peuvent être de nationalité française ou être restés de nationalité étrangère. Donc la catégorie immigrée qui existe en France et qui n'existe pas forcément dans les autres pays, c'est une catégorie qui a été créée par l'INSEE, donc l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques en France, en 1990, pour justement recouvrir la catégorie des étrangers soit restés français, restés étrangers, soit qui ont acquis la nationalité française. Donc les immigrés ont franchi une frontière et ont pu acquérir la nationalité française par ce qu'on appelle le processus d'acquisition ou de naturalisation. Voilà, et donc aujourd'hui, il y a environ 5 millions d'immigrés en France, dont un peu plus de 3 millions d'étrangers. Donc, ce qui veut dire qu'il y a environ 2 millions d'immigrés qui sont de nationalité française. C'est un chiffre qui est stable, voire qui a tendance à baisser depuis plusieurs années. Peut-on faire la différence, ou on doit faire la différence, entre migrants, réfugiés et immigrés ? Ben, en fait, ce ne sont pas exactement les mêmes catégories. Le mot migrant recouvre plutôt distingue une catégorie plutôt dynamique, c'est-à-dire la personne dans sa migration, une personne qui est en train de migrer. Et d'ailleurs, si on doit parler des personnes étrangères qui viennent en France, il est plus juste de parler d'immigrants, puisqu'ils franchissent une frontière. Un migrant, ça peut être quelqu'un qui est mobile à l'intérieur même d'un pays. Même si aujourd'hui, le mot migrant, dans la presse ou dans l'opinion publique, ça désigne plutôt des personnes étrangères traversant un pays ou venant s'installer dans ce pays. Mais le mot migrant en tant que tel, c'est un mot qui est assez vague et qu'il faut préciser. Le mot immigré, je le disais, ça catégorise des personnes qui se sont installées en France ou dans un autre pays de manière durable et qui ont pu acquérir la nationalité française ou être restées de nationalité étrangère. Le mot réfugié, c'est encore autre chose. Ça désigne des personnes qui ont acquis le statut de réfugié, qui ont obtenu le statut de réfugié. C'est un statut spécifique, international, qui a été défini par la Convention de Genève et qui désigne des personnes à qui se sont vues accorder l'asile, le refuge dans un pays, puisqu'ils ont été persécutés dans leur pays d'origine ou dans le pays duquel ils sont partis pour des raisons politiques, religieuses, d'opinion, et donc qui ont dû demander l'asile, qui ont été demandeurs d'asile avant d'être reconnus comme réfugiés. À qui s'adresse votre musée ? Alors, ce musée, il s'adresse absolument à tout le monde. Nous ne nous adressons pas uniquement aux personnes immigrées. Au contraire, nous, notre but, c'est de mettre en avant, de mettre en valeur les personnes qui ont apporté les apports de l'immigration à la société française, apports politiques, économiques, sociaux, culturels, démographiques, etc. Ces apports sont extrêmement nombreux et c'est l'idée de montrer que l'immigration est partie prenante de notre histoire nationale. Donc l'idée, c'est pas du tout de créer ou de recréer un clivage entre un « eux » et un « nous ». Il n'y a pas de « eux » et de « nous ». L'idée, c'est de montrer ce grand nous, cette grande société française qui s'est construite notamment par les apports de l'immigration. Donc on s'adresse à tous les Français, qu'ils soient immigrés ou non, on s'adresse à tous les Français parce que l'immigration fait partie de l'histoire de France.
Votre musée est divisé en fait en trois parties. Vous avez une exposition permanente, des expositions temporaires et le travail pédagogique que vous fournissez. Mais cette exposition permanente est divisée en trois parties avec des repères principaux. Alors, effectivement, on est un musée et on est plus qu'un musée. Le cœur de l'institution, c'est effectivement notre musée, l'exposition permanente Repères de siècles de l'histoire de l'immigration en France, les expositions temporaires qu'on programme tous les ans, comme en ce moment une exposition consacrée aux frontières, qui est une exposition vraiment d'actualité, puisqu'elle parle notamment de la traversée des frontières actuellement en Europe et de toutes les questions qui se posent à l'Europe aujourd'hui, mais aussi en n'oubliant pas de regarder dans le rétroviseur. C'est aussi notre particularité, c'est d'historiciser ces questions de l'immigration. Et puis nous avons également donc effectivement une programmation pédagogique, mais aussi une médiathèque, la médiathèque Abdelmalek Sayad, qui regroupe de très nombreux fonds documentaires, cinématographiques, audiovisuels, sonores, sur toutes les questions liées à l'immigration. Nous avons également une programmation artistique et culturelle, avec des spectacles, du théâtre, des concerts, une programmation de conférences, de débats. Et on a également un réseau, c'est-à-dire que le musée travaille en réseau avec des associations, des collectivités, partout sur le territoire, mais aussi en Europe. Donc on a vraiment une activité multiple, extrêmement forte, et qui a vocation à toucher tous les publics. Quant à l'exposition permanente, c'est une exposition qui est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que nous sommes un musée d'histoire, mais nous avons choisi d'ouvrir en fait nos collections en constituant des fonds qui sont pas seulement des fonds historiques ou des fonds d'archives, mais aussi en recueillant les témoignages de migrants. Pour nous, c'était extrêmement important de ne pas parler à leur place, mais de leur donner la parole. Nous avons également une collection d'art contemporain extrêmement importante, et puis toute une collection autour des photographies, autour des archives, autour de l'apport de la sociologie. Donc voilà pour cette exposition permanente qui couvre deux siècles d'histoire de l'immigration en France et qui n'est pas conçue selon une progression chronologique, mais selon une progression thématique. C'est-à-dire qu'on part de l'idée d'émigrer, c'est-à-dire l'idée du départ, comment les immigrés ont quitté leur pays. Comment est-ce qu'ils ont fait ce choix, parfois subi, parfois volontaire, assumé, de venir vivre en France? Comment s'est passé le départ? Jusqu'à la question de la diversité culturelle, c'est-à-dire comment est-ce que la France est riche de toutes ses influences et de tous ses apports. Votre équipe a conçu un travail pédagogique important. Votre site, c'est fabuleux pour le regarder parce qu'il est si riche pour le travail pédagogique. Combien de personnes sont dans cette équipe? Alors, sur le département éducation uniquement, nous sommes donc moi-même, une personne qui assiste l'ensemble du département et trois professeurs relais qui travaillent à temps partiel, c'est-à-dire qu'elles sont soit devant les élèves, soit elles travaillent avec nous ici au musée. Donc toutes les ressources pédagogiques effectivement sont conçues par cette équipe et elles sont librement accessibles. C'est vraiment une volonté de notre part de les mettre en accès libre sur le site internet effectivement. Pourriez-vous citer des exemples? Comment intervenez-vous dans le débat public? Vous l'avez déjà dit avec des expositions temporaires, c'est l'art, mais vous avez dans ce sens aussi une certaine mission à remplir, n'est-ce pas? Alors on a une mission pédagogique, on a une mission citoyenne, effectivement. En fait, nos interventions et la manière dont on s'adresse aux Français, elle est extrêmement vaste, extrêmement large, je l'ai dit, par le langage de l'art, pour nous qui est extrêmement important, que ce soit dans les expositions, en donnant à voir par exemple le regard des artistes contemporains, des photographes par exemple, en ayant toujours, encore une fois, cette approche aussi historique sur ces questions-là, en programmant aussi des artistes, des danseurs, des hommes de théâtre, des hommes et des femmes de théâtre. Donc pour nous, le langage de l'art est extrêmement important, mais aussi en n'hésitant pas à programmer des débats d'actualité. Récemment, nous avons fait notamment un débat sur la crise européenne des migrants, en invitant des personnalités publiques, des personnes qui sont responsables associatives, voilà, à intervenir sur ces questions-là. Vous participez aussi à la lutte contre le racisme? Oui, alors surtout cette année, puisque en France, il y a une grande semaine d'éducation et d'action
contre le racisme et l'antisémitisme autour de la journée du 21 mars qui est la journée internationale de lutte contre le racisme. Et cette année, nous avons été un fer de lance, j'ai envie de dire, de cette semaine, puisqu'on a programmé de très nombreux événements, environ 70 événements tout au long de cette semaine, avec des ateliers pour les jeunes publics et les publics scolaires, des spectacles, du cinéma, des programmations très larges. Donc nous, notre but, c'est à la fois de fournir des ressources, puisque nous produisons des ressources documentaires que vous pouvez effectivement retrouver sur le site, on en a parlé. Nous avons d'ailleurs produit également deux films, deux courts films d'animation à destination des publics jeunes et adolescents. Et l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les publics, tous les publics, les jeunes et les moins jeunes, parce que tout le monde est concerné, donc en donnant à voir et en mettant à disposition des ressources, et également de les sensibiliser, je le disais, par le langage de l'art, par une programmation spécifique, par un espace de débat. Donc on poursuit nos missions sur ces questions-là, et c'est effectivement une des grandes préoccupations du musée, qui rejoint notamment les thématiques de l'immigration, qui est de lutter contre le racisme et l'antisémitisme en France. Entrons un peu dans les détails. Hors du racisme, il y a aussi des formes plus subtiles de la ségrégation, si l'on pense par exemple à toutes les formes de discrimination. Alors oui, le racisme peut produire, peut conduire à des formes très claires de discrimination. Ça peut être à la fois très vague, c'est-à-dire que ça peut recouvrir des préjugés, des stéréotypes, une manière de catégoriser négativement jusqu'au rejet donc des personnes en raison de leur couleur de peau, en raison de leur origine, et puis ça peut conduire à des discriminations en matière d'accès à l'emploi, en matière d'accès au logement, d'accès aux loisirs. Donc cette question-là, évidemment, des discriminations, c'est une question centrale quand on parle du racisme. Et puis c'est une question, malheureusement, qu'on rencontre lorsqu'on travaille sur l'immigration, que ça soit aujourd'hui ou même dans les décennies précédentes et même au 19e siècle. Je vous remercie beaucoup, merci bien. Merci à vous.